Gloire et décadence, un portrait de Mussolini, le premier fasciste. Il était capable d'écraser n'importe qui. Inventeur de cette idéologie, il disait croire, obéir, combattre. Le dictateur a dirigé l'Italie pendant plus de 20 ans. Il suffisait de dire « le fascisme, c'est la honte » pour qu'on t'envoie en prison. Allié d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, il verra s'écrouler tous ses rêves de grandeur. Je crois que c'est vraiment un désastre que des gens comme ça puissent être mis à la tête d'une nation. Mussolini, le premier fasciste, mardi à partir de 20h50 sur Histoire TV.